price that was paid. The song talks about the fiery love that we should give in response to the sacrifice that was paid for us. You look back and you say, Lord, I don't give you enough. But listen to the words of this song, and I would pray that there'd be a rededication of every heart in here this morning. You paid much too high a price. The cross, despising all the shame. That afternoon when midnight fell, your suffering cleared my name. And that sin-swept hill became the open door to paradise, because you paid so high a price. Your tears, your blood, the pain. To have my soul just stirred at times, yet never truly changed. You deserve a fiery love that won't ignore your sacrifice, because you paid much too high a price. Your grace inspires my heart to rise above all the sin and all the earthly vanity that seeks to draw me in. I want to tell this jaded world of love that truly saved my life, a love that paid so high a price. You paid much too high for me. Your tears, your blood, the pain. To have my soul just stirred at times, yet never truly changed. You deserve a fiery love that won't ignore your sacrifice, because you paid too high.
Jesus' blood can set the captives free. You can live your life 'neath Calvary, for all the world to see. You deserve a fiery love that won't ignore your sacrifice. Much too high a price. Don't you love him this morning? Got to thinking about that song last night, and Lord, just kind of dealing with me, and you think about the love that you have to give back to the Lord, and you think of all the battles that are going on, but you know what? The battle's been won at Calvary. And I feel the Lord has just been speaking to us in such a way through his servant, Brother Coleman, and it's Christ in you, the hope of glory. So don't give up, but press forward now. Because the price has already been paid. Do you love him? Amen. There is power, power, power in the blood of the Lamb. Amen. Turn around and greet your brother and your sister. There is wonderful, wonderful power in the blood. The victory this morning. Oh, there's power, power, wonder-working power in the blood. Oh, the Lamb, hallelujah. Oh, wonder-working power in the precious blood. Oh, there is power, power. In the blood. Power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood. In the precious blood of the Lamb. Let's sing a verse. Would you be free? Now would you be free from your burden of sin? There's power. Oh, yes. Would you or even the victory win? There's wonderful power in the blood. Oh, there is power. In the blood of the Lamb, there is power, power, wonder-working power in the precious blood. Oh, let's sing another verse. Now would
to be free from your passion and pride. Oh, there's power in the blood, oh, power in the blood. Oh, please come to a cleansing at Calvary's tide. Oh, there's wonderful power in the blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power, precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, working power. In power, in the precious blood of the Lamb. Oh, would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? It's wonderful power in the blood. Precious blood of the Lamb. One more time. There is power, power, wonder-working power. Oh, of the Lamb. There is power, power, wonder-working power. The precious blood of the Lamb. God's people say amen. Praise God. God be praised. God be praised. Que Dieu soit loué. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, hallelujah. Truly there is power in the blood. Vraiment, il y a puissance dans Glory. Le sang. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. This morning, in the name of the Lord Jesus Christ. Vous salue dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Welcome back from your vacations. Bienvenue de retour de vos vacances. Or wherever you've been, praise God. Là où vous avez été. But we're in service this morning. Nous sommes à la réunion ce matin. Amen. Amen. We're here to serve the Lord. Nous sommes ici pour servir le Seigneur. We're here to praise the Lord. Nous sommes ici pour louer le Seigneur. We're here to receive the Holy Ghost. Pour recevoir le Saint-Esprit. We're here to be on fire. Pour être en feu. Praise God, we're here to be corrected. Pour être corrigé, to be instructed, pour être instruit, with all long suffering, avec longanimité. Is that what you're here for? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes là? Qu'il en soit ainsi. So shall you receive. Ainsi vous recevrez. Amen. We like to welcome to our midst. Nous voulons souhaiter la bienvenue. Enrique and Francisca Urbino. Enrique et Francisca Urbino. Our brother Urbino's parents. Les parents Urbino. De notre frère Urbino. God bless you. Dieu les bénisse. Dieu vous bénisse. I don't know where they are. They're up in the balcony. Amen. Ils sont là au balcon. And other visitors here. Et d'autres visiteurs. Janice Williams, sister Joan LeBron. Janice, la sœur de Janice Williams. Sister Joan LeBron. Joan LeBron. Joan LeBron. And brother Louis Conserve. Hermano Louis, et Louis Conserve. From Haiti. Amen. God bless you. This is brother Antonio's brother. Amen. Le frère de frère Antonio. He used to be here years ago. Amen. Il était aquí là il y a des années. And this name I couldn't quite make it out. Ce nom je ne sais pas le prononcer. B-O-N-Y. B-O-N-Y. Massilion. I don't know whether it's bony. I wouldn't.
don't know what it means. Je ne sais pas si c'est Bonnie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Brother Stanley Esau from Joburg. Brother Raymond Thompson's church. Un frère de l'église de frère Thompson. Dieu te bénisse, frère Stanley. Amen. Hey, when I first went to South Africa, j'étais en Afrique du Sud la première fois en 1979. Brother Stanley came with a group of brothers with me all around South Africa. Il est venu avec tout un groupe autour de l'Afrique du Sud. Je n'oublierai pas ça. Especially Durban. Spécialement à Durban. Amen. It wasn't a racetrack, but brother, ce n'était pas une piste d'athlétisme, mais c'était tout comme. We thank the Lord. Amen. Nous remercions le Seigneur. So. All right. Très bien. I like to go straight to the word of God. Je vais aller directement dans la parole de Dieu. I don't have too much strength in me. Je n'ai pas beaucoup de force. Good to see the Hunts back from Barbados. Il est bon de voir la famille Hunt des Barbades. How's things down in Barbados? Comment vont les choses là? Amen. Praise God, seen all the lords and all the Hunts. Amen. Tous les lords et tous les Hunts. How Percival escaped Barbados. Amen. Je ne sais comment notre hermano Percival escapó. Praise God. Well, anyway, faire un tour là aux Barbades. Hosea, the sixth chapter. Capítulo 6. And Isaiah, Isaías, the 51st chapter. Capítulo 55. And 1 Corinthians, the 13th chapter. 1 Corinthiens 13. Reads on this wise. On peut lire ainsi. Hosea. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us. Venez, retournons au Seigneur. And he will bind us up. Car il a déchiré, mais il va nous guérir, il pansera nos plaies. After 2 days will he revive us, in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Après 2 jours, il nous relèvera, et au troisième jour, il nous ressuscitera. I believe that's this day. Je crois que c'est ce jour, cette troisième phase, que nous vivrons sous ses yeux. Croyez-vous cela? Eh bien, vous faites bien. Amen. Verset 3. Then shall we know if we follow on to know the Lord on the third phase. If we follow on to know the Lord, his coming forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain. As the latter and former rain unto the earth. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison qui arrose la terre. Isaïe 55:10. But watereth the earth and maketh it bring forth and bud. That it may give seed to the sower and bread to the eater. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pour quoi je l'ai envoyé. 1 Corinthiens 13:10. Mais quand ce qui est parfait arrivera, ce qui est partiel disparaîtra. I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. But now I see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. And now abideth faith, hope, and charity, these three. But the greatest of these is charity. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le Seigneur jette la bénédiction avec toute sa parole. Courbons la tête dans un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège, une bénédiction d'être dans ta maison ce matin, d'être vivant en Christ Jésus. Nous te remercions pour la santé et la force.
Nous te remercions pour toutes choses. Nous te louons. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Car tu es le puissant, l'éternel, le Dieu puissant. Amen. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Et maintenant, Père, envoie la pluie sur chaque herbe dans le champ. Déverse le Saint-Esprit pour ceux qui ont besoin d'être scellés. Guéris les gens. Délivre les gens. Fortifie-moi, Seigneur. Guéris mon corps. Scelle mes vertus. Seigneur Dieu, établis l'Église avec une révélation. Gloire à Dieu. Ils n'oublieront jamais qu'ils sont sur cette troisième phase et que le diable ne peut rien faire. Secoue ce lieu, Seigneur. Et que tous ceux qui sont redétachés et ceux qui sont ici et tous ceux qui sont alentours, ancre leur âme, Seigneur. Ancre-les. Confirme la parole. Oint tes serviteurs. Nous prendrons soin de te donner la louange, l'honneur et la gloire. Car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen et amen. Et amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. My title is, mon titre, which you know, vous savez, that which is perfect has come. Ce qui est parfait est arrivé. Brother Robledo, Frère Robledo, last week we la semaine passée, to the same inspiration. Dans la même inspiration, and he took that which is perfect. He took be therefore il a pris, perfect. Soyez donc parfait. And his subject was, et son sujet était, that which is perfect has come. Ce qui est parfait est arrivé. So the Holy Spirit told me to take le Saint-Esprit m'a dit de prendre ça comme titre, ce qui est parfait. L'un conduit dans l'autre. Donc c'était quelque chose de formidable qui est arrivé la semaine passée. Je ne sais pas si vous le comprenez pleinement, mais Dieu rend un témoignage par deux d'entre nous que ce qui est parfait est arrivé. We talk about dynamics now. Maintenant, nous parlons de la dynamique. Parce que Malachi 4 a déjà apporté la parole parfaite. Ainsi que ça soit bien compris de ce dont nous parlons. J'avais mes notes du 19 août. Et il a dit, viens après Frère Robledo. Et lis ce que je t'ai dit. Ce qui est parfait est arrivé. Et cette onction doit produire les promesses qui ont été promises toutes ces années. C'est l'heure. C'est le temps. C'est la saison. Amen. Amen. Maintenant, les gens, le 13 août et le 20 août, ceux qui étaient censés avoir la sagesse de la révélation, venez vers eux pendant ces deux jours. Ça est venu vers eux. Et ce sont eux, la colonne de feu va descendre sur le sang, là, sur leur trône. Ainsi, les autres qui sont morts, vous êtes morts. Vous devriez être vivants. Praise God. Gloire à Dieu. So God wasn't playing. Ainsi Dieu ne jouait pas. Dieu ne jouait pas le 13 août. Il ne jouait pas le 20 août. Pour que reveniez ici mort le mercredi, quelqu'un a reçu la sagesse de la révélation. Ils savent qui ils sont. Ils ont la révélation maintenant même que le sang est sur leur trône. Et maintenant, la colonne de feu peut descendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et libérer les captifs. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Amen. Mon sujet, Hosea 6:3. Il viendra à nous comme la pluie. As the land and former rain unto the earth. Comme la première et la dernière pluie sur la terre. That's my subject. C'est mon sujet. My inspiration. Mon inspiration. For when omnipotence speaks. Comme lorsque l'omnipotence parle. Alors le miraculeux s'accomplit. No doubt about it. Il n'y a aucun doute. It happens. C'est arrivé. It does take place. Ça prend place. Believers out there. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Praise God. Gloire au Seigneur. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Since June 11th, depuis le 11 juin 1989, en commençant avec le message que j'ai prêché, la manifestation des fils de Dieu sur la troisième phase, j'ai essayé avec Frère Robledo. And with subsequent messages, et les messages qui ont suivi, nous avons essayé d'amener les gens à un endroit. Amen. And then the message, the rest of the message being, et le reste des messages étaient le 18 juin, l'union de la dynamique avec la mécanique pour la foi parfaite. Now, these were all seeds. Maintenant, tout ça, c'était des semences. Et vous devriez avoir le visage éclairé, sans froncer les sourcils. Personne ici. Pas après ces messages. Il devrait y avoir de la joie partout. Amen. Sure you got problems. Bien sûr, vous avez des problèmes. Jésus avait des problèmes. Mais laissez ça à l'extérieur. Gloire à Dieu. Vous êtes ici pour servir le Seigneur. Peu importe vos problèmes. Fini les problèmes. Que vous ayez ceci ou cela, ça n'a rien à voir avec Dieu. Get them out of here, praise God. Oh, sortez d'ici, gloire à Dieu. Ceci est la maison du Seigneur. Nous ne voulons pas entendre vos problèmes. Gloire à Dieu. Amen. God is here. Dieu est ici. He may be seated. These were messages. Straight from the throne. Ce sont des messages venant directement du trône. Ça devrait vous transformer. La puissance. Praise God. Gloire à Dieu. L'union de la dynamique avec la mécanique pour la foi parfaite. Amen. Le 2 juillet, fatigué, épuisé, je titubais là. Pour qui? Pour vous. Il incombe à l'épouse d'accomplir la justice de Dieu. C'était pour vous. Ce n'était pas pour sortir à l'extérieur et vous inquiéter de vos problèmes, mais pour accomplir la justice de Dieu. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. And then out of season, alors hors saison, on August 6th, le 6 août, spoke to me, il m'a parlé. Il m'avait déjà dit que je prêcherais le 13 août. Tout à coup, aller à la chair, comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'était pour l'église. Pour s'emporter de tout ce qui s'évanouit, tous les gars, soi-disant intelligents et toute la confusion, tout ce qui vient de l'enfer. Toute cette confusion de l'enfer. Voilà, c'était pour cela. C'était pour vous placer dans l'inspiration. I'm looking around for heads to count. Estoy buscando el pelo aquí. Amen. You may be seated. August 13th, le 13 août, wisdom and revelation la sagesse de la révélation est venue vers vous. Révélant votre nom dans le livre, une partie de la parole. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas ôter une seule parole, sinon vous ôtez votre nom. Vous devez croire chaque parole. La nouvelle naissance. Christ en vous l'espérance de la gloire. Toute la Bible est la nouvelle naissance pour cette saison. Toute la Bible. Chaque parole. Toutes les Écritures données par inspiration pour la correction, l'instruction, pour réprimander. Amen. Amen. August 20th, le 20 août, part two of the new birth, la deuxième partie de la nouvelle naissance. August 27th, le 27 août, Brother Robledo, Frère Robledo tied right in, a relié cela. When the son of man cometh, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? And then September the 3rd, et alors le 3 septembre, be therefore perfect. Soyez donc parfaits. And you know what happened last week. Et vous savez ce qui est arrivé la semaine passée. Le Saint-Esprit lui a parlé et à moi. La même aspiration. That which has come is perfect. Ce qui est arrivé est parfait. He's here now. Il est ici maintenant. You feel him? Vous le sentez. You know he's here. Vous savez qu'il est là. Praise God. Gloire à Dieu.
Amen. May be seated. Puedes asseoir. The purpose of these messages. Le but de ces messages. Was to get to church. C'était d'arriver. First by a genuine revelation. À ce que l'Église, par révélation authentique, par la sagesse de la révélation. Of who Jesus Christ is. De qui est Jésus Christ. If everybody in here, si tous ici, all these young people here, les jeunes gens ici, if they really knew, s'ils savaient vraiment Jesus Christ is, qui est Jésus Christ, they wouldn't be doing what they want to do. Ils ne feraient pas ce qu'ils veulent faire. Non. Every young lady, chaque jeune femme, they wouldn't do anything. Ne ferait rien. They would know Jesus. Ils connaîtraient Jésus. They would know what I'm preaching about. Ils sauraient ce dont je parle. They wouldn't have the attitude. Ils n'auraient pas ces attitudes that they have on them now. Qu'ils ont maintenant. It's because they don't know Christ. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Christ. But some are trying. Certains essayent. Keep pressing, Kevin. Continuez de presser le pas. Continue, Kevin. Gloire à Dieu. Continue de presser le pas. Et Dieu va te sceller. There'll be one from then, one there, one there, one there. Il y en aura ici, un là. Il y aura quelqu'un. Quelqu'un sera témoin. Gloire à Dieu. Ceci ne va pas tomber au sol. Ça ne tombera pas. Gloire à Dieu. Tous ces jeunes enfants, selon Jude, ne sont pas des enfants maudits. Certains vont être tirés hors d'ici. Certains vont y arriver. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Gloire. Maybe seated. Puis vous asseoir. Just to know who Jesus is. Simplement savoir qui est Jésus. And then to know who you are. Et savoir qui vous êtes. And where you stand in this et où vous vous tenez en cette heure, où vous vous tenez, gloire à Dieu, en connaissant votre position comme croyant dans l'Église. So we've been trying. Nous avons essayé since June 11, depuis le 11 juin d'arriver à ce que l'Église entre en position, la position, positionnellement, amen. Where, où the power of God, la puissance de Dieu, will come down into a genuine revelation, descendra dans une révélation authentique. Parce qu'il a dit, je construirai mon église sur la révélation spirituelle of who Jesus is. De qui est Jésus Christ. Voilà sur quoi c'est construit. You cannot receive the Holy Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir Jésus qui il est. Il est la parole. Whom the men say I, qui les hommes disent-ils the son of man que je suis moi le Fils de l'homme. Even the, they don't know. Ils ne savent pas. The rabbis didn't know. Les rabbins ne savent pas. Great learned Sadducees didn't les grands know. Instruits, les sadducéens ne savent pas. Men don't know. Les hommes ne savent pas. He said, well, they don't know. Ils ne savent pas. Some say you are certains disent que tu es Élie, l'un des prophètes. L'un des prophètes. They don't know who you are. Ils ne savent pas qui tu es. Ok, je sais que les hommes ne savent pas qui je suis. That's why I ask you. Voilà pourquoi je vous pose la question. I ask you on purpose. Dans un but. Whom the men say I am. Qui les hommes disent-ils que je suis. Now you know. Maintenant vous savez qu'ils ne savent pas. Well, then why do you go to them? Alors pourquoi aller vers eux. Why you go ask them? Pourquoi aller leur poser la question. Ils ne savent pas qui je suis. 70 sont partis. Now I'm bringing down the individual. Et maintenant je l'amène à l'individu. C'est pas toute cette église. Not all these young people. Pas tous ces jeunes gens. But who do you say I am? Mais qui dites-vous que je suis? You, the individual. Vous, l'individu. So wisdom. Ainsi la sagesse de la révélation d'Elohim est descendue vers Pierre et lui a donné une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est correct, Pierre. Sur cette révélation, je construirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce sera contre. Oh oui, il viendra contre, mais il ne prévaudra pas. Alléluia. Ça viendra contre, Kevin, mais il te tirera dehors car tu es prédestiné. Alléluia. Glory. Gloire. Yes, sir. Oui. You may be seated.
That happened in this church. C'est arrivé dans cette église. August 13. Le 13 août. Wisdom revelation. La sagesse de la révélation. Prophesied. A été prophétisée en 1974. Un matin. Wisdom will come to you. La sagesse viendra à toi. And reveal the blood. Pour révéler le sang. The blood. Le sang. Like Abel. Comme Abel. Wisdom came and revealed to la sagesse Abel est venue et révélée à Abel que c'était le sang. Et Caïn n'avait rien reçu. Donc il suivait son intellect. Ce qu'il pensait que c'était. Vous y voilà. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. À moins que la sagesse ne révèle que c'est le sang, alors immédiatement, le sang est sur votre trône. Et il n'y a pas de condamnation. Vous êtes parfait. Vous allez être scellé. Vous allez être guéri. Dieu vous aime. Alors vous êtes prêt pour la troisième phase. Amen. Amen. You may be seated. Vous asseoir. So we've been trying to get the church así hemos tratado de poner la iglesia into the position. Nous avons essayé d'amener l'église dans la position, positionnellement là où la puissance de Dieu viendra dans une révélation authentique. La révélation doit venir premièrement. Et pendant toutes ces années, il n'y avait pas de révélation. Simplement des déversements, mais sans révélation. Voilà pourquoi beaucoup ont été baptisés dans leur esprit humain en 1983. Parce que vous n'aviez pas de révélation. Un frère m'a demandé de lui imposer les mains 5 fois. Je lui ai posé les mains. Et puis il est sorti. Il était baptisé dans son esprit humain. Il n'avait pas de révélation. Aujourd'hui, il boit, il fume, il fait ce qu'il veut. Et c'était en 83. Il a reçu le baptême de feu, mais sans révélation. Dites-moi quelque chose maintenant. Vous ne m'entendez pas. Voilà pourquoi vous voyez toute cette souillure. Pas de révélation. Toute cette pourriture. Ouais, mais si jamais vous recevez la révélation de Jésus-Christ, et Jésus-Christ pour vous, gloire à Dieu, qu'il vous a sauvé, alléluia, cela seul vous change, gloire à Dieu, d'une truie en un agneau. Vous ne le quitterez jamais, vous ne l'abandonnerez jamais. Et vous allez tenir ferme pour le Saint-Esprit, tenir ferme pour votre guérison. Gloire. Praise God. You may be seated. Catch what I'm saying? Saisissez ce que je veux dire. Une révélation. Vous pouvez demander le baptême, tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas de révélation. Que Jésus est mort pour vous. Jésus vous a sauvé. Avec cette révélation, Brother dit, lorsque vous êtes baptisé, acte 2.38, c'est éternel. Dieu vous remplira. Alléluia. God will fill you. Dieu vous remplira. Glory. Gloire. Maybe seated. Pouvez s'asseoir. We've been trying to get the church. Nous avons essayé d'amener l'église into the position, positionally. Dans la position, positionnellement, où la puissance de Dieu descendra dans une révélation authentique. To position the church, pour positionner l'église onto the third phase, sur la troisième phase, for manifestation, pour une manifestation and the adoption season, et la saison de l'adoption and back to the word, et de retour à la parole, back to the Bible, de retour à la Bible. Then you can grow up. Alors vous pouvez grandir into Christ ahead, en Christ la tête, into all things, en toutes choses, according to Ephesians. Selon Éphésiens. Amen. Amen. I have 3 more messages to preach. J'ai encore 3 messages à prêcher to finish my course. Pour terminer ma course. And today, et aujourd'hui, Sunday, dimanche prochain, Wednesday the 20th, et le and I'm finished. Mercredi le 20, praise puis j'aurai terminé. J'ai lutté pour arriver là. Amen. So pray for me. Ainsi, priez pour moi.
I mean to make it. Je veux y arriver. J'étais malade toute la semaine. Le diable me combat. Et vous savez quelle a été mon inspiration toujours depuis la deuxième venue du Seigneur. Il est étrange que dans ce message même à la première page, il y avait un tremblement de terre. Et Frère Branham, dans le même message, en Californie, il a parlé de ce tremblement de terre. Vous connaissez l'histoire. Nous essayons d'arriver sur la troisième phase pour manifester cette citation, la deuxième venue du Seigneur, à la page 13. Peu importe si vous êtes méthodiste, pentecôtiste, presbytérien, venez, nous réjouissons ensemble. Changeons ça pour aujourd'hui. Peu importe ce que vous croyez, quelle interprétation, peu importe si vous ne croyez pas les tonnerres ou quoi que ce soit, réjouissons-nous ensemble. Amen. Quand ce temps viendra, quand l'Église trouvera son affection fraternelle, quand l'Église trouvera sa sainte décence, quand l'Église trouvera sa place en Christ, voyez-vous d'où je viens maintenant? J'essaie depuis le 11 juin de vous mettre en phase dans la place en Christ. Et vous arrivez là, gloire à Dieu. Alors vous pourrez dire, finalement, quand l'Église trouvera sa place en Christ, elle appellera les autres membres du corps. Venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que l'Église l'aime. Et il est la parole. Et c'est mon fardeau. Depuis 1974, arriver à cet endroit. Alléluia. Et je sens que nous y sommes. Ce qui est parfait est arrivé. Peu importe s'il y a deux personnes. Mais nous y sommes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, vous connaissez l'inspiration, la place en Christ, positionnellement. Ainsi, qu'est-ce que c'est? Depuis le 11 juin, le 20 septembre, essayant de mettre en phase l'Église depuis la deuxième phase dans la troisième phase. Le message principal était la manifestation des fils de Dieu pour la troisième phase, pour manifester Christ. Et le Saint-Esprit peut dire: voilà, mon esprit coule librement. Amen. Qu'y a-t-il de si étrange? Qu'est-il arrivé en 1974, le 9 juin, et de certains y aient compassion, entre le 9 juin et le 20 septembre, l'Église a été mise en phase de la première phase jusqu'à la deuxième phase. Qu'y a-t-il de si étrange en 89? Ne pouvons-nous pas nous mettre en phase le 11 juin jusqu'au 20 septembre de la deuxième phase jusqu'à la troisième phase? La place en Christ. Et il faudra, ce qui est parfait est venu, le Saint-Esprit, la charité, ce devrait être là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous saisissez la révélation? Est-ce que la sagesse vient à vous, gloire à Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que l'Esprit coule ici librement? Alléluia. Alléluia. Déjà, il a coulé librement. Mais vous devez connaître votre place, votre position. L'Esprit a été ici. Mais vous ne savez pas qui vous êtes. Mais si vous avez le Saint-Esprit, et que vous savez que le Saint-Esprit est ici, que la parole de Dieu est ici, alors vous allez changer. Vous allez ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, et la patience, et la piété, et l'affection fraternelle, et la charité, parce que vous savez que c'est là. Pas une révélation de groupe, pas une révélation de groupe, mais individu. Ainsi, n'attendez pas quelqu'un d'autre. N'attendez pas le pasteur. N'attendez pas les anciens. N'attendez pas les diacres. Mais vous, vous-même, faites-le. Praise God. Gloire à Dieu. Amen.
You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now you can see what happened last Sunday. Maintenant, vous voyez ce qui est arrivé dimanche passé. Le 3 septembre, une double confirmation à frère Robledo et moi-même. Quand ce qui est parfait est arrivé, pour s'unir avec la dernière pluie, pour confirmer l'héritage de Dieu, qui est, vous êtes fatigué, vous avez besoin de force. Voulez-vous être fortifié? N'avez-vous pas été fortifié par ces messages? Amen, sœur Jean. Gloire à Dieu. Elle le comprend. Elle a eu un songe. Gloire. Gloire à Dieu. Voulez-vous être fortifié? Et je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Depuis ce temps-là, tous ces messages sont sortis pour vous fortifier. Gloire à Dieu, amen. Ainsi, ne le perdez pas. Vous pouvez vous asseoir. Quand ce qui est parfait est arrivé, pour s'unir avec la dernière pluie, pour confirmer l'héritage de Dieu, qui est fatigué, ceux qui sont fatigués, la promesse de Osée 3, je viendrai à vous comme la pluie, la première et la dernière pluie sur la terre. Le temps de la semence est presque terminé. Ésaïe 55, 11, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle sera votre foi absolue, votre poteau d'ancrage ultime, ma parole, pas votre songe, pas vos visions, mais ma parole. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. La révélation. La sagesse de la révélation nous a fait voir les semences des sept tonnerres. Il y a beaucoup de semences, mais il nous a fait savoir, il nous a montré les semences pour semer pour l'épouse. Sinon, je prêcherai comme l'église catholique tous les dimanches si je n'avais pas les semences, mais j'ai les semences correctes. Et alors vous prêchez. Vous prédisez, vous le parlez, avant que cela arrive. Pendant combien de temps? 15 ans. D'accord, 15 ans, oui. Maintenant, commencez sur la troisième phase. Commencez à parler, commencez à prédire. Je serai libre, je serai scellé, je serai guéri, comme j'ai dû le faire pendant 15 ans. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait pour vous. Maintenant, faites-le pour vous-même. Faites-le pour vous-même. Gloire à Dieu. J'ai dû tirer l'église pour les garder sauvés, la moitié de l'église. La révélation, que vous le voyez, alors vous le prédisez, vous le prêchez, vous le parlez, vous avez communion, vous parlez à ce sujet, alors l'onction vient. Et voilà pourquoi vos communions sont mortes, vos communions fraternelles pleines du monde. Faites-le avant que ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est la parole, semence de Dieu confirmée qui doit être accomplie. Voilà pourquoi elle doit s'accomplir. C'est très facile d'en parler. La palabra de puño significa nada. Those are politicians. Les palabres politiques, ça ne signifie rien. What kind of drug war? Quelle sorte? Les drogues, les fléaux, tout ce qui va en enfer. And you see these plagues? Et vous voyez ces fléaux?
Praise God. Gloire à Dieu. Right in the plagues. Viviendo las plagas. Là, c'est fléau arrive. Il y a des gens qui veulent rester là-dedans. Il y en a qui, qui semblent aimer l'enfer. Oui, c'est comme l'enfer. Et vous, portez, vous avez des modes de cheveux et comment vous vous habillez comme l'enfer. Pourquoi? C'est parce que vous aimez l'enfer. Pourquoi? Vous le prouvez de la manière dont vous vous habillez. Comme vous, la façon dont vous buvez, dont vous fumez, voilà comment vous le prouvez. Ne me dites pas, vous êtes des menteurs, vous aimez l'enfer. Vous n'aimez pas le Seigneur. Vous venez simplement ici parce que vous le devez. C'est ce que vous ressentez de toute manière. Amen. Voilà comment je sais qui vous êtes. Je peux le dire à la façon dont vous vous habillez. Je suis là dans la tour. Je suis une sentinelle dans la tour. Oh, voici les mondains qui arrivent. Oh, regardez là, les jupes courtes. Et là, tout leur style sauvage qui viennent là ici à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Sha. They got it. Amen. Ils ont compris. Maybe seated. Ouais, c'est assis. Questions and answers on number 2. Question et réponse numéro 2. Page 87. À la page 87. Speaking about the brother Branham speaking about questions here. Frère Branham qui parle au sujet des questions. And one of the questions was Revelation 22:17. Et l'une des questions était Apocalypse 22:17. The spirit of the bride say come. L'esprit et l'épouse disent viens. And and let him that heareth say come. Et que celui qui entend dise viens. And let him that is thirst come. Et que celui qui a soif vienne. And whosoever will, et quiconque veut, let him take of the water of life freely. Qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. And Brother Branham's explaining this here. Et Frère Branham l'explique ici. Many of the questions here. Beaucoup de questions. On, well, will the bride? Eh bien, l'épouse. Will this? Ceci, l'Église. Voyez-vous, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont. L'épouse, ce sont les élus de Dieu. L'Église va traverser. Ce sont ceux qui disent quiconque veut qu'ils viennent. Autrement dit, que ces gens charnels viennent là. Ils ressemblent au monde, certains. Ils ont le monde dans leur cœur. Je ne vais pas les chasser, c'est pour quiconque veut qu'ils viennent. Mais ils ne sont pas l'épouse. Oh, j'espère que ça secoue les entrailles là ici, que ça vous fait travailler vos intestins. Je suis connu comme quelqu'un qui vous remue les entrailles. On m'appelle de toutes sortes de noms. On m'a même appelé le pape noir. Ainsi, appelez-moi comme vous voulez, peu importe. Amen. But I know that one busted some. Mais je sais que ceci a secoué là des tripes mondaines. Ce sont ceux, l'épouse, ce sont les élus de Dieu. L'Église va traverser la tribulation et ils sont dans le message. Ils ne veulent pas abandonner le monde. Ils ne veulent pas abandonner leur convoitise. Amen. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. That's church. Ça, c'est l'Église. The bride is elected of God. L'épouse, ce sont les élus de Dieu. L'Église va traverser. Ce sont ceux qui disent, quiconque veut qu'il vienne. Mais l'épouse, ce sont les élus de Dieu. Où y a-t-il ces Hosanna? Hosanna. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. Here's the five-fold ministry. Voici les quatre types de ministère. Il y a cinq offices elected of God. Élus par Dieu. For God has said in the church. Car Dieu a mis dans l'Église. Apostles, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est Dieu qui les a mis là. Vous ne pouvez pas les enlever. Amen. God did that. C'est Dieu qui a fait ça. L'homme, il a des diacres, etc. And everything else. Et tout le reste. But you see, mais voyez-vous, but God said in the church, mais
Dieu a mis dans l'église pour le perfectionnement de l'église, vous ne pouvez pas le séparer. Ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Il a donné la révélation de la perfection pour les offices élus de Dieu, Frère Robledo, et à moi, le pasteur, l'évangéliste et le pasteur, le quatrième ministère. C'est une révélation de la perfection. Et ce qui est parfait est arrivé pour que nous puissions vous perfectionner. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi c'est arrivé la semaine passée. Quelqu'un va être parfait. Quelqu'un va être perfectionné sous ce ministère. Amen. Maybe see. Yes, sir. Oui. Amen. Car Dieu a mis dans l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Amen. Pour amener une mesure ici. Voilà ce que je fais. Vous ne pouvez pas le séparer. Maintenant, voici le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il prophétise. Quand il viendra, voyez-vous, c'est un témoin pour vous. Voyez-vous, que cette parole est juste. Le Saint-Esprit commence à descendre. Cette dernière pluie, avec la révélation, pour vous donner un témoignage que ce que j'ai prêché est correct. Alors vous ne serez plus là en train de me regarder avec des grands yeux, mais de quoi parle-t-il? Vous allez crier « Alléluia, gloire à Dieu !» Oh, cela vient à vous. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il viendra, il est un témoin pour vous que cette parole est juste. La parole pour aujourd'hui, pas la parole pour Luther, la parole, pas de Moïse. Nous sommes témoins de la vérité. Là. Mais là, c'était un autre jour. Maintenant, ce qui est parfait est arrivé. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Tout ça sur une seule page. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Toutes ces petites choses comme sauter de haut, comme un enfant, essayant de parler en langue, et toutes ces autres choses, quand ce qui est parfait, alors il vous dit, et nous avons aujourd'hui, par l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole, avec la confirmation divine. Nous avons eu la parole toutes ces années. Parfaite confirmation. Voilà pourquoi je prêche la parole. Je savais ce que c'était. Gloire à Dieu. Parfaite. Et beaucoup étaient fâchés. Mais je savais que c'était parfait. Parfait, perfecto. Ainsi, là, il dit, quand ceci viendra, et c'était là, alors ce qui est en partie aura sa fin. Donc il fallait le message du prophète de 1965 pour mettre la balle en phase de sortie toutes ces années. Cette parole, quelqu'un a dû la prêcher contre ces esprits de la balle. Sauter, faire tout ceci, cela. Il devait s'en aller, avoir leur fin, parce qu'il y a la parfaite interprétation de la parole. C'était ici, avec confirmation divine. Amen. Qu'est-ce que votre rêve par rapport à la parole? Il n'y a pas de nourriture là-dedans. Autrement dit, qu'est-ce que la paille par rapport au grain, dit Jérémie? Qu'est-ce que votre rêve par rapport à la parole? Je ne peux pas me nourrir de votre rêve, je me nourris de la parole. Gloire à Dieu, amen. Oh, gloire. Glory to God. Glory to God. Gloire à Dieu. Yes, sir. Oui. Then that which is in part is done away. Alors, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je comprenais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec les choses de l'enfant. Amen.
So from June 9, depuis le 9 juin, le 11 juin, jusqu'au 20 septembre, essayez de vous arriver. De vous amener à faire quoi? À vous défaire des choses de l'enfant. Cessez d'être des enfants. Soyez des hommes et des femmes. Grandissez rapidement. Là, pendant l'été. Grandissez et soyez prêts pour la parole, pour être perfectionnés. Alléluia. Glory. Gloire. Praise God. Gloire au Seigneur. Amen. To be a witness of the word. Pour être témoin de la parole that has already come, qui est déjà venue by Malachi 4. Par Malachi 4. We witness it to be the truth. Nous en sommes témoins, c'est la vérité. Amen. And we do have the day by God's help. Et nous avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole avec confirmation divine. Et tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la dernière pluie. Ce qui est parfait est arrivé sous la forme du Saint-Esprit comme dynamique sur la parole, la mécanique, pour le confirmer. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, quand l'omnipotence parlera à travers Malachi 4, le miraculeux, le Saint-Esprit prend place ou bien prendra place. Amen. Le Saint-Esprit sera un témoin pour nous et nous serons témoins de la vérité que Malachi 4 en vérité a révélé, l'interprétation parfaite de la parole semence avec confirmation divine. Est-ce que Malachi 4 avait raison ou bien avait-il tort quand il a dit les sept tonnerres rassemblent? Était-ce l'interprétation parfaite de la parole avec confirmation divine? Les sept tonnerres nous donnent la foi. Les réveils de l'épouse. Est-ce que c'est divin? Alléluia! Alors tous ces gars-là qui sont venus contre Malachi 4, ce qui est parfait et divin, la confirmation, l'interprétation de la parole. Et tout ce que nous avons fait, c'est de prêcher cela. Et que les semences, là, tombent dans la bonne terre. Amen. Gloire. Car lorsque l'omnipotence parle, il faut le miraculeux pour se placer. Le miraculeux prend place. Voilà pourquoi pendant toutes ces années, l'omnipotence a parlé aux prophètes. Mais il n'a pas eu de miraculeux. Ainsi tout le monde a fait ce qu'il a voulu. Personne ne pouvait prouver qu'il avait raison. Mais le miraculeux fera cela. Gloire à Dieu. Ok. Bien. Hosea 6:3. Je viendrai à vous comme la première et la dernière pluie. Okay, let's about three quotes here to tie this down. Trois citations ici pour relier cela. Friends, we're on the move. Les amis, nous sommes en route. Amen. Amen. Exploits of faith. Dans les exploits de foi. Chicago 1953. Chicago 53. And we're living in the last days. Nous vivons dans les derniers jours. Don't you believe it? Ne le croyez-vous pas? He said in the last days. Il a dit dans les derniers jours. I'll send down the rain. J'enverrai la pluie. In abundance like that. Une abondance. Both former and latter rain. À la fois la première et la dernière pluie. Will fall in this day. Tomberont en ce jour. And what they had back there. Et ce qu'ils avaient là-bas. The apostolic church. L'église apostolique. Plus ce que Dieu va nous donner, c'est maintenant, juste là. Nous allons voir ce qu'ils avaient, plus ce qu'il va nous donner maintenant. Écureuil, gloire à Dieu. Qu'il y ait un écureuil, gloire à Dieu. Parce que nous avons l'hypothèque. Nous retournons à Adam. We pick up the book. Nous reprenons le livre. Alléluia. Qu'il y ait, qu'il y ait. Find your place. Trouvez votre place. Oh, God, if you can only oh Dieu, find your place, si seulement vous pouvez vous trouver votre place, savoir qui vous êtes. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Praise God. Hosea 6:3, je viendrai à vous comme la pluie. The former, latter rain to la première et la dernière pluie sur la terre.
What is the rain? Qu'est-ce que la pluie? I've spoken before. J'en ai parlé avant. Spirit speaks through the prophet. L'Esprit parle par le prophète. Phoenix, 1960. En Phoenix, en 1960. These same inspired prophets said, ce même prophète inspiré a dit que la lumière du soir se verrait et qu'il y aurait une première et dernière pluie ensemble. As in the days of grace. Comme au jour de la grâce. What is it? Qu'est-ce que c'est? The former rain is coming over. La première pluie qui vient. And the latter rain is past due. Et la dernière pluie, son temps est déjà passé. Et ils se sont chevauchés. Et la première et la dernière pluie sont ensemble. The Holy Spirit made manifest. Le Saint-Esprit manifesté. There's the latter rain. Voilà la dernière pluie. Together, ensemble. Former and latter, la première et la dernière. Rain together, la pluie is c'est the Holy Spirit made le Saint-Esprit manifesté par la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la pluie que vous sentez ici, qui est ici, mais vous ne connaissez pas votre place. Amen. Vous y voilà. Vous avez saisi maintenant. Vous savez ce qu'est la pluie. Et la pluie, la pluie de l'inspiration amène la révélation tout d'abord pour vous dire qui vous êtes et mettre le sang là. Alors c'est scellé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez-le en 1960. Vous y voilà l'église. Le placement de l'église dans sa position. Où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit vient dans l'église. Alors la bouche des critiques sera fermée. Ce sera un temps court. Jésus est descendu de la montagne et est allé directement au calvaire. Ça ne durera pas longtemps, mais ce sera là. Gloire. Ça ne durera pas longtemps, mais ce sera là. Parce que la terre va exploser, la terre va être secouée sous l'impact de la parole qui sera parlée. La parole, sur parole, sur parole. Allez dans votre maison avec votre famille, plein de l'onction de Dieu, et commencez à parler la parole. Peut-être que quelqu'un est là dans la drogue dans la maison, ou une prostituée. Peut-être que maman va avec quelqu'un, ou le papa va avec quelqu'un, et vous entrez là avec la parole. Frère, oh, cette maison va exploser, gloire à Dieu. Elle va être secouée, secouée sous l'impact de vous, vous tenant là comme un ange, resplendissant comme un ange. Et personne ne pourra mettre la main sur vous, sauter, courir. Voilà ce dont je parle. Gloire à Dieu. C'est la parole, cette puissance. Where were you last night? Où étais-tu hier soir? You in the Holiday Inn. Tu étais là, à l'Holiday Inn, in room 213. Dans la chambre 213. You were there with a blonde. Tu étais là avec une blonde. Ainsi dit le Seigneur. That's the word. C'est la parole dont je parle. Je ne sais pas ce dont vous parlez. Mais ça va nettoyer l'église. Alléluia. Ça va se débarrasser de tous les soi-disant croyants. Gloire à Dieu. Ça mettra cette chose en feu. Il y aura un réveil de sept tonnerres. Alléluia. Et ça amènera les semences de Dieu. Et voilà tout. Tous ceux que Dieu a appelés, voilà tout. Il n'a pas appelé le reste. Ainsi, je ne me sens pas désolé. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oui. Gloria. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Understand what the word is now? Vous comprenez ce qu'est la parole maintenant? Amen. Watch how she'll go. Regardez comment ce sera. Spiritual inspiration. Inspiration spirituelle. Owensboro, Kentucky. Owensboro, Kentucky. En 1956. He said, il a dit, let's
see you take the bread, laissez-moi vous voir prendre le pain entonces, and feed the 5,000. Et nourrir les 5,000. C'était tous ces gens intelligents. Et quelqu'un de critique lors de la réunion de Frère Branham qui défiait le prophète. Laissez-moi vous voir transformer l'eau en vin. Voilà comment Frère Branham lui a répondu. J'ai dit, nous sommes dans notre enfance. C'était là. En quelle année? 1956. Nous sommes dans notre enfance. Nous avançons. Et rapidement, quand nous pourrons nous débarrasser de vous, fanatiques, formalistes, nous débarrasser de ces fanatiques formalistes, nous montons. Amen. We'll be doing that. Nous allons faire cela. We'll be feeding them. Nous allons les nourrir. Amen. We'll be turning the water into nous allons transformer l'eau en vin. We'll be feeding the 5,000. Nous allons nourrir les 5,000. Mais vous, tas d'incrédules ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire cela. Si nous pouvons faire que toute cette bande d'incrédules sorte assez longtemps pour que Dieu agisse là dans la foule. Peut-être l'un de ces dimanches soirs, il y aura 15 personnes ici. Alléluia. Alors je pourrai venir ici et toute l'incrédulité sera sortie. Toute l'incrédulité. Et cousins, toutou, et tous les autres, et tous les parents. Et le dimanche soir, peut-être qu'il y aura 8 personnes, et tous les autres dehors, les fanatiques formels. Et alors Christ va venir derrière la chair. Alléluia. Il commencera à parler la parole. La parole. Et le feu va tomber. Scellé, 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 guéri. Rempli. Voilà ce dont je parle. Et cela peut arriver l'un de ces dimanches soirs. Vous asseoir. J'ai dit à Frère Benomo et à Frère Bob, j'ai dit, l'un de ces dimanches soirs, je vais venir ici et je prêcherai un message. Et je mettrai une bande le dimanche matin. Il me dira quand. Parce que c'est lui qui saura quand vous ne serez pas là. Et c'est à ce moment-là que je viendrai. Oh, cela va arriver. Oui. Je peux le sentir. Gloire. Tu le sens, frère. Gloire. Amen. Amen. Et que Dieu agisse à travers la foule. Laissez Dieu commencer. Mais l'incrédulité étouffe cela. L'onction est ici, la parole est là. Mais l'incrédulité est là. Ils ne veulent pas donner la gloire à Dieu. Ils sont assis là tout aux alentours. Gloire. Et un jour, il va y avoir une percée. Alléluia. Vous allez voir ces choses arriver. Nous montons. Regardez les miracles de Jésus qui ont commencé de la même manière. Regardez. Et avancez. Continuez à monter. Finalement, jusqu'à la résurrection des morts. Ainsi, restez assis si vous voulez. Mais sur cette troisième phase, là, ça va arriver. Là, au-delà de la pression du boycott, là, directement de la résurrection pendant 30, 40 jours, je m'envolerai au gloire et parti, changé, parti. Et ils continueront d'être assis aux alentours. Est-ce que vous avez entendu la bande de la semaine passée? Sir Singleton a dit, je veux l'autre bande là. Mais elle ne sera pas là, elle sera partie. Oh, est-ce que c'est si proche? Est-ce que nous sommes si proches? Amen. Praise God. Gloire à Dieu.
Okay, you may be seated. Puis s'asseoir. 1 Thessaloniciens 4, 16. The shout, le cri. Malachi 4. Avec la voix, le message du cri. Numéro 2, la voix de l'archange. Numéro 3, la trompette de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Parce que j'ai une promesse absolue. Que Dieu le juge. Enverra son fils Jésus-Christ. Lui-même. Déguisé. Comme la voix de l'archange pour sommer son épouse, d'entrer en elle comme la première et la dernière pluie ensemble, parce que ce qui est parfait est arrivé, pour sommer son épouse par le baptême de feu dans son corps, pour apparaître au souper des noces, gloire, après avoir reçu le baptême de feu dans son esprit et dans son âme, et puis ajouter les sept vertus par la puissance divine, pour être adopté par la charité, pour la résurrection. Pourquoi? Ce qui est parfait est arrivé, et la charité ne faillit jamais. Nous y sommes. Nous vous mettons en phase de la deuxième phase pour entrer dans la troisième phase. Nous vous donnons de la force et de la foi. Le juste vivra par la foi, de foi en foi, de révélation en révélation, de force en force. Gloire à Dieu. Amen. Comme lorsque l'omnipotence parle, alors le miraculeux s'accomplit. Faites asseoir. Ainsi Jésus, l'omnipotence, a parlé. Et Dieu, le miraculeux, fera que les choses prennent place parce que c'est sa parole. L'épouse élue a besoin d'être attachée à un poteau d'ancrage absolu sur cette troisième phase pour que ces choses arrivent. Juste quelques citations. Je ne serai plus très long. Je n'ai presque plus de force de toute manière. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que ça peut sauver quelques personnes ici, ces messages. Amen. J'espère que quelqu'un sera sauvé ici. Gloire à Dieu. Dans l'absolu. De Shreveport. Amen. À la page 10, si l'Église peut se séparer du Conseil mondial des Églises et revenir et faire de la parole de Dieu leur absolu, leur poteau d'ancrage, ça le fera. Mais ils essayent que ce soit un accomplissement d'homme et ça doit tomber, ça doit faillir. L'épouse dit qu'elle le fera. La Bible dit qu'elle le fera. Mais il y aura une épouse qui est élue depuis la fondation du monde, qui va être attachée à ce poteau d'ancrage sur cette troisième phase. Elle va être clouée, et quand elle essaiera, et qu'elle essaiera encore, et qu'elle essaiera encore, elle va frapper le clou sur la tête, sur cette troisième phase. Amen. Je peux voir l'éternité là, entrer dans le temps depuis l'Éden. Et à ce moment-là, vient la ligne de sang là, jusqu'au calvaire, et du calvaire relié avec cette ligne continuant jusqu'au poteau d'ancrage. Oh mon Dieu, le sang vient du calvaire et il va jusqu'au poteau d'ancrage. Nous n'avons pas besoin de voir s'il y a du sang. Non plus. Vous n'allez pas vous sentir comme Naaman qui était censé être baptisé là dans le Jourdain. Mais il aimait mieux son eau là de Damas. Oh là là. Je peux voir Naaman
avec ses beaux vêtements, avec son beau costume et ses cheveux bien coiffés. Là, Naaman, oui, il avait ses chaussures et bien arrangées, et là autour des talons. Il a dit, oh, c'est pas ce qui se passe, gloire à Dieu. I can see your name and je peux voir Naaman wide shoulder coat avec son manteau large qui venait jusqu'à ses genoux. Là. Oh, il avait du style. Il avait un nœud. Là, il avait les cheveux bien coiffés. Là, il était stylé. Mais oh Dieu, quand le temps du soir vient et qu'il est arrivé dans sa maison, et là dans sa maison, et tous ses serviteurs se prosternaient devant lui, et il buvait son vin avec les grands généraux, il disait bonsoir, bonsoir, oh Naaman, tu es tellement merveilleux. Alors il est entré dans la chambre intérieure, dans sa chambre à coucher, et il a enlevé là son veston et sa chemise à $60. Il avait cette chemise particulière là, avec à la mode, avec son pantalon, ses chaussures. Ne vous inquiétez pas, papa, maman, je sais ce qu'ils veulent. Gloire à Dieu, ils doivent simplement avoir cela. Ils pleurent, ils crient, ils piétinent parce qu'ils ne peuvent pas avoir ceci. Et Naaman a ôté ses sous-vêtements. Et il n'y avait personne là aux alentours. Et là, il était rempli de lèpre. Oh, gloire à Dieu. Mais merci Seigneur pour le sang. Peu importe les chaussures que je porte, gloire à Dieu, ou des vêtements de travail, aussi longtemps que la ligne de sang soit ici, là, venant jusqu'au poteau d'ancrage, gloire à Dieu. Amen. Oh, je sais que ça a tanné certaines peaux ici, gloire à Dieu. C'est le temps de tanner les peaux. Gloire. Ainsi, vous pensez que vous avez bel air, mais enlevez votre chemise, vous êtes rempli de lèpre. Là, mondain, charnel. Oh, comment suis-je arrivé là? Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Voilà là. Oh, je pense qu'ils sont partis maintenant. Gloire. And from Calvary, et du calvaire, relié avec cette ligne, jusqu'au poteau d'ancrage, Jésus. Et un jour, quand il viendra réclamer les siens, chacun qui est attaché à cet absolu ressuscitera dans la gloire, dans l'éternité. Pourquoi? Ils ont toujours été dans l'éternité. Ils étaient prédestinés à l'éternité. Ils font partie de Dieu. Ils étaient dans sa pensée au commencement. Et lorsque cette corde sera tirée de la ligne du sang, le signe dont je parle, venant de la terre, tous ceux qui sont inclus dans ce sang entreront à nouveau dans l'éternité. Alléluia. Gloire. Alléluia. Glory. By the way, à propos, but the only way, mais la seule manière où ce sera, c'est d'être attaché à cet absolu, Jésus-Christ. Cet absolu, pas l'accomplissement des hommes, Dieu l'a ressuscité des morts, et c'est un absolu. Et nous savons qu'il est vivant parce qu'il est ici avec nous dans la puissance de la résurrection.
accomplissant les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était sur la terre. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chacun attaché à cet absolu sera ressuscité dans la gloire. À la page 11. Et les gens véritablement nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, sont le poteau d'ancrage. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes le poteau d'ancrage. Parce que le poteau d'ancrage est en vous. Et vous êtes un poteau d'ancrage. C'est le poteau d'ancrage des Écritures qui doivent être accomplis en ces derniers jours. Ils sont l'ultime. C'est l'absolu de Dieu. Parce que c'est sa parole. Et la parole est Christ. Le poteau d'ancrage. Vous ne pouvez pas vous en séparer. C'est quelque chose qui vous tient. Alléluia. Oh là là. Le poteau d'ancrage. L'ultime. C'est l'absolu de Dieu. C'est sa parole. Et la parole est Christ, le poteau d'ancrage. Qui vous garde, qui vous tient là. Vous ne pouvez pas vous en séparer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. À la page 19, le Saint-Esprit vous indiquera toujours la parole. S'il indique un credo, une dénomination, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas faire cela, se sortir de sa parole. Quand il est mort pour confirmer la parole et rendre cette parole positive, il est mort afin de pouvoir venir lui-même dans cette parole. Il est la vie vivifiante qui fait vivre cette parole à nouveau. C'était le but de sa mort, afin qu'il puisse protéger son Église. Et faire que chaque parole soit exactement comme elle est censée être à travers les âges. Voyez-vous ce qu'il dit? Alors qu'il vivait, il a dit beaucoup de choses, mais ils l'ont tué. C'est ce qu'il pensait. Mais il a donné beaucoup de promesses. Donc il est venu lui-même dans son Église pour protéger ce qu'il avait dit. Amen. Ainsi il est venu. Parce qu'il est omnipotent. Quand il le parle, cela ne reviendra pas sans effet au travers de cet âge de l'Église. Car il est venu en vous avec le Saint-Esprit. Et vous devenez le poteau d'ancrage. Et vous prêchez cette parole. Vous vivez cette parole. Alléluia. Ainsi ils peuvent dire: Jésus n'est pas un menteur. La parole est véritable. Là jusqu'à aujourd'hui. Toute la chose. Amen. Et faire que chaque parole, dans chaque âge, agisse exactement comme elle est censée agir. Les choses qu'il a dites, ces signes suivront ceux qui croient. Ils chasseront les démons. Donc il est descendu en 1946 dans le prophète pour faire agir cette parole comme elle est censée faire dans la dernière génération. Ainsi nous n'avons pas d'excuses. Les gentils sont sans excuses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, j'ai presque terminé. Il est la dynamique sur la mécanique. La mécanique de l'Église, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la mécanique de l'Église? Les apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Et lui, il est la dynamique et qui fait agir cela. Voulez-vous dire que même l'évangéliste, Christ, la dynamique, l'a fait agir la semaine passée? Alors ce n'était pas lui. C'est lui qui faisait agir le don. Et les gens essayent de comprendre, d'imaginer. Est-ce que c'est Frère Robledo qui a dit ça ou est-ce que c'est Christ? Ce qui est parfait est arrivé. Qui a dit ça? Eh bien, oui.
and so forth, etc. He is a dynamic. Il est la dynamique that works that. Qui fait agir cela. And it's worked by a certain dynamic. Et cela agit par une certaine dynamique. Just call like he. Qu'on appelle, il est le feu, le feu allume l'essence. Oui, quand Frère Robledo devient excité, c'est lui dans Frère Robledo, là, qui met le feu à l'essence, qui met le feu. Ce n'est pas Frère Robledo, parce que je connais Frère Robledo. Je peux à peine le trouver pendant la semaine. Vous ne pouvez pas le trouver. Si vous frappez à sa porte, il est quelque part. Je n'arrive pas à le trouver. Si c'était un grand homme, il serait dehors, là, sur le seuil de la maison. Hello, comment ça va ce matin? Est-ce que je peux prier pour vous? Que Dieu vous bénisse. J'ai eu un message merveilleux hier. Est-ce que je vais vous en parler? Oh, gloire à Dieu. Make some coffee, Rebecca. Oh, prépare du café, Rebecca. That's not him. Non, ce n'est pas lui. He's retiring. Voyez-vous, il se retire. C'est Dieu. Behind the vessel. Derrière le vase. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. You got it? Vous avez saisi? Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. He is a fire. Il est le feu. Le feu qui allume l'essence. Il est le feu qui est dans la chambre de combustion. Et lorsque l'essence, la parole est déversée là-dessus, la combustion, il est celui qui met le feu. Celui qui confirme la chose. Il est la puissance de la résurrection. Il est Dieu. Il est le feu. Voilà ce qu'il est. Oh, praise God. Oh, gloire à Dieu. Amen. He's the one that set you on fire. Il est celui qui vous met en feu. Who is he? Qui est-il? Which is perfect has come. Ce qui est parfait est arrivé. He's the one that confirms it. Il est celui qui le confirme. He is God. Il est Dieu. He's the fire. Il est le feu. The Father was the dynamic. Le Père était la dynamique. The fire off the mechanics. Pour mettre le feu à Jésus, la parole. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. Il a éclaboussé la dynamique et il fait que la chose avance. Il l'a fait s'accomplir. Merveilleux. Et maintenant, c'est le temps de l'épouse. Qu'en est-il de vous et moi? Alléluia. Jésus est la dynamique qui vient dans l'épouse, la mécanique, et qui la met en feu. Mais nous avons besoin d'un poteau d'ancrage absolu. Vous, les gens ici, vous avez besoin d'être attachés à un poteau d'ancrage. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'un absolu? C'est parfait en soi, illimité dans sa puissance, primairement, ce qui est ultime, un amen. Oui, ça règle la question, c'est ça. Chacun de vous, si vous pouviez devenir un absolu, l'amen final pour vos familles, au travail, à l'église, oh, gloire à Dieu, vous seriez sur la troisième phase, rempli de la puissance de Dieu. Les guérisons éclateraient partout et tous les fanatiques formels seraient dehors. Dieu agissant là dans la foule. Qui m'a touché? Gloire à Dieu. Agissant dans la foule. Ah, route vers la résurrection. La fille de Jaïr. Oh, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, le bord de son vêtement. Christ est dans son temple. Tout le monde viendra ici si je peux seulement le toucher. Oh, gloire à Dieu. Quand nous avons un absolu, un amen, un absolu, vous avez quelque chose à quoi attacher votre âme. C'est le poteau final d'ancrage pour chaque accomplissement. Oh, gloire à Dieu. Une foi absolue, le poteau d'ancrage dans votre vie naturelle. L'amour est l'absolu dans votre vie de mariage. Pour être la beauté, l'argent, la renommée, tout ça faillira. Mais quel est le poteau d'ancrage? L'amour dans ce mariage. Oui, oui, gloire. Oui, l'absolu, l'amen.
to the marriage. Dans le mariage. Amen. Amen. Sinon, c'est des disputes, des discussions. Il n'y a pas d'amour. Gloire à Dieu. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alors vous avez une foi absolue. Le poteau d'ancrage, l'absolu, l'amen final pour tous les problèmes de la vie, dans chaque circonstance, dans tout ce qui se passe. Un poteau d'ancrage, un absolu amen. Gloire à Dieu. Rien ne signifie rien. Cette montagne sera déplacée. Il n'y a rien qui soit devant vous. Vous avez un poteau d'ancrage. Oh, gloire à Dieu. You don't have the mortgage? Si vous n'avez pas de quoi payer votre loyer ou l'hypothèque, d'une manière ou l'autre, Dieu a la réponse, il fera un chemin. Gloire à Dieu. Il fera un chemin pour payer cela, gloire à Dieu. Et il le fera ainsi afin que vous puissiez dire gloire à Dieu. Merci Jésus. Voilà pourquoi. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. L'épouse a besoin d'un ministère avec l'absolu. Des hommes de Dieu qui vont se tenir là, attachés à la parole de Dieu et qui amèneront l'assemblée sous la condition où chaque membre entrera dans la condition de cette parole sur cette troisième phase pour voir cette parole manifestée avec des signes qui suivent. La manifestation sera l'interprétation. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux dans votre vie va prendre place chaque jour là en vous. Alléluia, gloire à Dieu. Le miraculeux, le Saint-Esprit sera témoin de ce que Christ a dit. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Merci Jésus. Est-ce que vous comprenez maintenant, Église, l'inspiration de semence depuis 15 ans, le 11 juin jusqu'au 20 septembre, essayant de vous mettre en phase, là, pour marcher dans la condition d'un poteau d'ancrage absolu, pour être mis en phase sur la troisième phase. Pourquoi? Ce qui est parfait est arrivé pour faire de vous parfait en un, parfait en un. Le Père en moi et moi en vous et vous en moi. Cette heure-là est ici maintenant. Voilà ce dont je parle. Le cas est réglé. Semer des semences. Gloire au Seigneur. Gloire. Soyez un chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Christ, la parole, c'est l'absolu de l'épouse. C'est la personne de Christ. Christ, recevez-le, la parole. Alors vous avez une foi absolue. Le poteau d'ancrage, l'ancre. Vous ne pouvez pas le recevoir sans recevoir sa parole. Vous ne pouvez pas recevoir la dernière pluie, ce qui est parfait est arrivé, comme dynamique, sans recevoir la parole. Ainsi vous perdez votre temps. Amen. Amen. La parole doit venir premièrement. Et elle doit venir par Malachie 4. Avec l'interprétation parfaite de la parole. Avec la confirmation divine. Alors la vie, l'esprit, la dernière pluie, la dynamique, la charité, ce qui est parfait est venu. Alléluia. La vertu puissance pour le service. Gloire à Dieu.
Entre dans cette parole et manifeste cette parole. Et la manifestation sera l'interprétation. Qu'est-ce qui se passe alors? L'omnipotence absolue a parlé sa parole. Elle ne peut pas faillir. C'est un absolu. C'est ce qui est ultime. C'est l'amen final. C'est parfait en soi. Sœur Phyllis, la parole de Dieu dit que tu seras guéri. Elle est parfaite en soi. Tu seras guéri. Sœur Joyce, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. L'ultime, l'absolu, le poteau d'ancrage est ici, Église. Alléluia. Gloire à Dieu, louange au Seigneur. Elle ne peut pas faillir, car lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit. Vous devez avoir un absolu. Vous devez avoir un absolu aujourd'hui. Jeunes gens, vous devez l'avoir. Tous les gens, vous devez l'avoir. Sinon, vous serez perdus. Alléluia. Et c'est l'absolu. C'est la parole. Le poteau d'ancrage. L'ultime, l'amen. Oh, alléluia, le tout en tout. Glory to God. Gloire à Dieu. If you make His word your absolute, faire de sa parole l'absolu, then you can tie yourself to any divine. Alors vous pouvez vous accrocher à chaque promesse divine de la Bible. Chaque promesse dans la Bible vous appartient. Il est votre absolu, il est votre poteau d'ancrage. Tout ce qui est ici vous appartient. Oh, tu l'as dit, Père. Alléluia. No matter how many storms, peu importe les tempêtes, how fierce the wind blows, la férocité du vent, what happens in Pennsylvania, ce qui arrive en Pennsylvanie, à New York, en Massachusetts, what happens in New York, ou à New York, all is racial strife, et toutes ces luttes raciales, for you to get out, c'est un signe pour vous, pour s'en aller. Vous savez que le prophète a prophétisé que ces luttes de race, Martin Luther King, il a mis des semences là. Mais ceci est le temps de la moisson. Je ne veux pas être à New York. Il va y avoir des luttes raciales là partout dans le pays. C'est une plaie, un fléau. Oh, croyez le message. Sortons d'ici. Tout ça fait partie des plaies. C'est le temps de s'en aller. Je monte, je m'en vais dans la première résurrection. Peu importe ce qui va arriver, peu importe. Tout, la drogue, là dans le métro et partout, mettez tout ça de côté, continuez d'avancer. Je lève les yeux, je vais m'en aller. Arrière de moi, gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Amen. Que les morts s'occupent des morts. Mais je prêche à ce qui est encore en vie. Ce qui est en vie aujourd'hui. Vous êtes vivants pour Christ. C'est à vous que je prêche alors. Gloire à Dieu. Oh, Hélène, j'ai presque terminé. Alléluia. Gloire. Relié à votre absolu. Tout dans cette vie. Sœur Pat, ne vous inquiétez pas. Remettez les choses entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas le changer. Remettez ça entre les mains de Dieu. Vous êtes libre. Vous étiez lié vers le bas. Mais Jésus-Christ te libère. Alléluia. La parole est une semence. Chaque semence doit s'accomplir. L'un de ces jours, très bientôt, nous allons avoir un soir de délivrance. Gloire à Dieu. Nous allons chasser tous les fumeurs de cigarettes, les démons alcooliques, tous les esprits de convoitise, esprits de sexe, tous les démons, par la puissance de Dieu, ils vont sortir. Ils vont sortir au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque ces démons, là, s'approcheront du poteau d'ancrage, le
faute d'ancrage. Au nom de Jésus-Christ, cela va arriver. Cela va arriver. Et vous allez être libre. Libre. Libre véritablement. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole ne reviendra pas à moi sans effet. Elle accomplira. Elle accomplira. Elle accomplira. Ce que Dieu, ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Alléluia. Pour une épouse, il y aura une épouse. Alléluia. Glory. Alléluia. Louange au Seigneur. Encore quelques minutes. La parole est une semence qui produit les miracles. Le miraculeux ne se produit qu'après avoir premièrement pris la parole de Dieu. Je l'ai dit dans un but. La parole est une semence qui produit les miracles. Et beaucoup essayent d'avoir le miracle sans prendre la semence parole. Et c'est ça votre problème. Vous ne voulez pas prendre la parole. Et la seule manière d'avoir le miracle, c'est sur la semence. Est-ce que la sagesse vous a donné la révélation ce matin? La parole est la semence qui produit le miracle. Le miracle ne se produit qu'après avoir reçu premièrement la parole de Dieu. Malachi 4 a dit qu'il y a eu 7 jonctions de temps. J'ai terminé. Et avant chaque jonction du temps, Dieu apparaît sur la scène avec des grands signes, des prodiges et des miracles. Il faut le miraculeux pour faire parler de l'omnipotence, pour la confirmer. Seul le miraculeux peut confirmer l'omnipotence. Amen. Lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux confirme ce que l'omnipotence a parlé. Oh, gloire à Dieu. Oui. Et la manifestation sera l'interprétation pour dire si l'omnipotence vous a parlé. Je n'ai pas le temps d'y entrer. 7 jonctions de temps. Numéro 1, Noé. Numéro 2, Abraham. Numéro 3, Moïse et Israël. Numéro 4, Élie. Numéro 5, Jésus sur la terre pour l'humanité. Numéro 6, Martin Luther. Numéro 7, c'est la 7e jonction du temps aujourd'hui. Le temps de Malachi 4, Saint-Luc 17:30, Apocalypse 10, le temps des 7 sceaux, le temps des 7 tonnerres. Et pendant la 7e jonction, chacun de ces hommes au travers des âges, chacun d'eux, a eu un absolu, un ultime, un poteau d'ancrage. Noé a dit, il pleuvra. C'était un poteau d'ancrage, un absolu. Alléluia, gloire à Dieu. Élie a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans. C'était un poteau d'ancrage, c'était un absolu. Alléluia, gloire à Dieu. Le même Élie, j'entends le bruit d'une abondance de pluie. C'était un absolu, c'était un poteau d'ancrage, un ultime. Et en continuant ainsi, Martin Luther et tout le long, Moïse, qu'il y ait des mouches. Alléluia, gloire à Dieu. Reste tranquille. Quel absolu! C'était la mer rouge et Pharaon était là derrière et il y avait la mer rouge devant eux. Moïse, il savait qu'il allait retourner là et adorer Dieu sur cette montagne. Et si Dieu l'a parlé, il allait retourner à cette montagne et la mer rouge était là. Mais qu'est-ce que la mer rouge par rapport à ce que Dieu avait parlé pour avoir communion? Là, il y avait la mer rouge. Mais la mer rouge devait partir. Elle devait partir. Pourquoi crier parle? Et il a parlé à la mer rouge. Incrédulité. Incrédulité. Reste suspendu là. Allons Israël. Nous traversons. Gloire à Dieu.
Glory to God. Gloire au Seigneur. So they had to have an absolute. Ils devaient avoir un absolu. Ils devaient avoir un poteau d'ancrage. Vous deviez avoir la même chose. La septième jonction de temps. Tout l'enfer se déchaîne. Le Conseil mondial. Vous voyez ce qui se passe ici. Je ne vais pas parler de ces choses. Vous voyez ce qui se passe là en Pologne. Là, les murs tombent. Ils se préparent à avoir une seule église. Et toute la chose est là. J'essaie de vous garder sauvés. Gloire à Dieu. Le miraculeux devait prendre place. Amen. Ainsi maintenant, la septième jonction du temps est ici. Malachi 4. Septième sceau, le temps des sept tonnerres. This is called, on l'appelle le temps de l'œil. Le temps de la vue prophétique. Là, il fait noir. Et vous avez besoin de l'aigle pour voir toutes les promesses. Malachi 4 les a fait descendre et il les a exposés. Et il n'y a qu'une seule faculté qui bouge, qui reste. Il n'y a plus rien. Après, l'œil, c'est l'intelligence. Et nous allons en parler la semaine prochaine et ce sera terminé. Ce sera fini. Je suis libre. Alléluia. Nous allons en parler la semaine prochaine, gloire à Dieu. Et tout sera terminé. Chaque semence sera là. Gloire au Seigneur. Dieu montre sa puissance miraculeuse et des signes et des prodiges. Révéler les sept sceaux, le mystère des sept tonnerres, comme étant l'ultime, l'amen ultime, la parole de Dieu. Pourquoi? Voici la dernière jonction. La résurrection est ici. L'enlèvement est là. La pression arrive. La période de 3 ans et demi est prête à venir. Le souper de noces est là. L'omnipotence a parlé. Le miraculeux prendra place. Il y aura une épouse qui a été choisie et ordonnée pour s'avancer, pour être adoptée et manifester Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il y aura une église glorieuse, sans tache ni ride, une épouse parfaite qui se tiendra sur la terre. Et quoi qu'elle demandera au Père, au nom de Jésus, il lui accordera. Ce qui est parfait est arrivé. Et il viendra à nous comme la première et la dernière pluie pour nous rendre parfaits en un. Ceci arrivera. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous serez scellés. Vous serez scellés. Vous serez guéris. Délivrés. Il y aura un réveil de sept tonnerres. Il y aura un réveil de sept tonnerres. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? L'omnipotence a parlé à travers Malachi 4 et le miraculeux, le Saint-Esprit le fera s'accomplir en votre jour. Vous le verrez. Vous le verrez. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu m'aide. If I die, si je dois mourir, pauper in this pulpit, là, ici, à la chair, original, je parlerai absolute, l'absolu originel, ultimate, l'ultime, tapples, le poteau d'ancrage, amen. L'amen. Sin, je réprimanderai le péché, je vais corriger les jeunes gens, je vais appeler ces esprits et leur dire quoi faire, gloire à Dieu, les remettre à leur place. Je parlerai les écritures originelles. Je parlerai les écritures originelles qui vous donneront le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. L'absolu au jour de la Pentecôte, et le même est ici maintenant. Cela va amener la même vie, le même esprit, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, les mêmes guérisons, les mêmes prophéties. Cela amènera tout ce que l'épouse primitive a fait et plus. Alléluia. Comme Luther a dit,
Luther, il a dit, je me tiens là. Je ne peux pas faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. Et nous nous tenons là, avec toutes les promesses, que le message de Malachi 4, la dynamique sur la mécanique, malgré ce que vous ne voyez pas, ou ce que vous ne sentez pas, malgré tout ça, nous nous tenons là. Gloire. Gloire au Seigneur. La dynamique sur la mécanique. Les promesses de sept tonnerres. L'adoption. La perfection. Nous nous tenons là. Nous ne pouvons pas faire autrement. Que Dieu nous aide. Et Elohim a dit, je reviendrai vers toi, Sarah. Et je t'aiderai. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Envoie le feu, Seigneur. Envoie la dynamique. Oh, un chant de la dernière pluie. Allez, frère Robledo. Envoie la pluie, Seigneur. Gloire au Seigneur. Je restaurerai, dit l'Éternel. Tout sera restauré. La dernière pluie est ici. We need the rain.